Bon, je continue les weekly vlogs, même si celui-ci va être entrecoupé puisque la journée de demain à la Wolfrun, vous ne la verrez pas. Et donc on est aujourd'hui mercredi et j'ai fait le plein d'une partie du bar. Donc je vous montre vite qu'est-ce que j'ai acheté pour faire un petit espèce de retour de course. Et puis après je vais préparer tout ça en speed parce qu'il faut que j'aille me coucher très rapidement parce que demain, lever 6h pour aller à la Wolfrun. J'ai donc acheté de la laitue pour le mix légumes. J'ai du sauté de porc, donc ça j'en ai 1 kg si je me trompe pas, donc j'ai repris du porc. J'ai cette fois-ci on va tenter les pilons de poulet parce que les ailes c'est trop, enfin il y a trop d'eau, c'est trop chiant. Donc là j'ai 3 barquettes de 800 grammes. Pour les prix je les mettrai ailleurs, je ne sais pas encore où. Généralement je les mets sur Insta. Ensuite j'ai du gésier, juste ici. J'ai du foie, j'ai de la courgette, j'ai du roulé de dinde. Je crois que c'est tout. Mais il va falloir encore que j'aille racheter. C'est le mouton que j'ai passé comment, je vais chercher vendredi matin. Et de la dinde encore. Voilà. Donc petit truc. Et puis bah là je vais speeder pour faire toutes mes boîtes. Et maintenant j'allais oublier. J'ai aussi racheté 6 boîtes de glaçons pour faire mon mix légumes. Des sacs de congélation parce que pour l'instant j'aurais pas le choix pour optimiser l'espace. Et derrière on a des graines de courge en vrac parce qu'apparemment c'est un bon anti-parasitaire, donc on va le tester. Faut juste que je leur demande à Laetitia de Akita The Real Life les quantités et les doses parce que je n'ai pas du tout l'information. Thank you.
Donc voilà, on est vendredi 31 mai, donc comme vous avez pu le voir, on a passé l'après-midi à la plage avec Pauline et Jack. Et ensuite je suis allée chez Action, je tournerai le haul demain, donc vous aurez bientôt un haul qui devrait sortir, à moins que vous l'ayez déjà vu, je ne sais pas comment j'ai encore géré ma planification. Et donc ça a été une super journée comme vous avez pu le voir sur les images, et maintenant il faut que je m'occupe du barf. Donc comme je disais, ce matin je suis allée chercher le barf, sachant que normalement je vais me lever à 9h, mais je me suis rendormie pour me lever à 10h30 parce que j'étais complètement décalquée à cause de la woofrun. Mais il a quand même fallu que je me lève pour aller chercher mon barf parce que je préférais aller le vendredi que le samedi, sachant que même aujourd'hui vendredi il y avait une queue monstre dans le magasin. Heureusement que comme je paye en ligne, je n'ai pas à faire la queue, ça c'est pratique. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai ramené. Donc j'ai repris 1 kg de dindonneau. Et en fait, quand je vous parlais de la woofrun, je pense que j'aurais mis quelques petites images avant pour pas que la semaine paraisse bizarre, quelques petites images qui vous reverront sur la vidéo complète. Donc je disais, j'ai pris 1 kg de dindonneau parce qu'il me manquait encore de la viande de dinde. Et puis là, c'est ma viande rouge, donc c'est du collier de mouton. Donc là, j'ai 1 kg, là j'ai un deuxième kilo, donc ça c'est ma viande rouge parce que je peux pas leur donner de bœuf parce qu'ils sont allergiques et je ne donnerai pas de cheval. Donc la seule alternative que j'ai, c'est l'agneau que je ne veux pas donner non plus, et en plus qui est beaucoup trop cher à l'achat. Donc bah voilà, le seul endroit que j'arrive à trouver du mouton, c'est chez la viande à gogo. Donc je vais découper tout ça et puis bon, après je vais aller faire du montage. Voilà pour mes achats du jour. Et là, pour total, j'en ai eu pour 13 € les 3 kg de viande. Espèce d'enfant. Je crois qu'elle a fumé dehors. Oui, dans la nuit. Sympa. C'est bon, j'ai un bon nez. Fais voir. Donc voilà, le barf est terminé, donc je sais pas à quelle heure je l'ai commencé, mais voilà, il est minuit 45, donc j'ai tout ça à laver. J'ai sorti la viande pour qu'elle décongèle pour demain, sinon après tout ça c'est bon. Donc, j'ai tout ça de viande de prêt pour Kitty, tout ça c'est des sachets où il manque les pilons de poulet, il remonte des os de chernu ici, tous ceux-là sont complets. J'ai commencé à faire les mixtures, cette fois-ci c'est laitue courgette. Ça c'est tous mes abats qui me restent à caser dans des futurs produits. Le rayon porc qui est bien rempli parce qu'il n'y a même pas assez de boîte, j'ai dû faire des sachets. Du mix légumes. Et comme là j'ai mis les étiquettes pour pas oublier ce que c'est, comme ça, bah en fait j'ai mon planning ici avec les infos et les jours de la semaine, ce que je dois prendre comme viande. Le poulet, j'en ai pas assez, alors que c'est la viande principale, il faut que je rachète des os charnues parce que j'ai pas bien géré mon truc, mais au moins comme ça j'aurai de l'avance. Donc ça c'est tout mon poulet et un petit peu de mix légumes, et pareil, il faut que j'en refasse, que j'en ai pas assez. Ça c'est les œufs qui me restent, mais maintenant à l'avenir je ne vais plus congeler les œufs parce que je les consommais trop vite. Et ensuite, enfin, le mouton qui a été super chiant à débiter, donc j'ai tout ça en mouton pour Amaury. Pour Kitty, c'était là, on a toute cette rangée là, c'est du mouton, toute la rangée qui est là. Toute celle-ci, c'est du porc, et toute celle-ci, c'est du poulet. Et poulet, on en a plein ici, mais il manque les os. Et puis, dernier tiroir, viande de poulet ici en masse, où il me manque les os charnus, et viande de mouton, pareil, on a les abats, la viande, mais il me manque les os charnus. Mais voilà, dans le gros, tout est fait, même si jamais bah, ils n'auront pas les viandes exactes, au moins j'en ai plein d'avance. Donc voilà, j'ai bien bossé et c'est fini.